Bonjour les amis de santé et divertissement, Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Thé à la rose sauvage pour la dysphonie. Un excellent remède naturel. La nature, toujours attentive aux besoins de l'être humain, a pensé à mille et un remèdes pour aider dans différentes conditions. C'est le cas de la rose sauvage qui offre une aide précieuse dans la lutte contre la dysphonie. Découvrez à travers cette vidéo comment y parvenir. La rose sauvage est une plante originaire d'Europe, d'Afrique du Nord-Ouest et d'Asie occidentale. Son nom scientifique est Rosa canina. Populairement connues pour leur arôme et leur beauté, les fleurs de rose offrent également certains avantages pour la santé du corps. Cette plante jouit d'une grande réputation en phytothérapie en raison des nombreuses propriétés médicinales qui lui sont attribuées. Parmi eux, les suivants se démarquent. C'est digestif. Anti-inflammatoire. C'est un laxatif naturel puissant. C'est sédatif. C'est un antioxydant. En même temps, c'est une excellente source de vitamine C. Cette dernière caractéristique ajoutée à sa propriété anti-inflammatoire est la raison pour laquelle le thé fait avec ses fruits et ses pétales est un excellent remède naturel pour atténuer la dysphonie. Tu le savais? La dysphonie est une condition des cordes vocales dans laquelle le timbre normal de la voix est perdu. Ce trouble est populairement connu sous le nom d'enrouement ou d'enrouement. Il existe différentes causes pouvant entraîner une perte de voix, certaines d'entre elles peuvent être changement soudain de température. Ayant exercé beaucoup de voix, crier, chanter. Se présenter comme un symptôme d'un rhume ou d'une grippe. Pour les problèmes gastro-intestinaux. Il existe des métiers dans lesquels la voix est le principal outil de travail, par exemple, enseignant, présentateur, chanteur, opérateur téléphonique, orateur, etc. sont plus susceptibles d'avoir cette condition. Eau de rose. Les symptômes de la dysphonie. Les plus fréquents sont toux. Démangeaisons, être obligé de faucon pour effacer la voix. Sensation de corps étranger lors de la déglutition. Douleur à la gorge légère ou modérée en parlant. Comment pouvez-vous traiter la dysphonie? Dans un premier temps, il faudrait connaître la cause qui la produit, car pour chacun d'eux il y a un traitement. Mais, il est également vrai qu'en règle générale, il existe certains palliatifs qui peuvent être très utiles. Gardez à l'esprit. Évitez d'utiliser votre voix, essayez de faire du repos vocal. Évitez de manger ou de boire des aliments très chauds ou froids. Évitez les grands changements de température. Comment huile rose peut vous aider avec la dysphonie? Pour cela, il existe différentes alternatives. Utilisez-le dans le thé. Pour faire une infusion de rose, vous aurez besoin d'un. Une cuillère à soupe de ses fruits ou pétales par tasse à préparer. Amenez l'eau à 90 degrés puis laissez infuser pendant 5 minutes. Lorsque la préparation est chaude, gargarisez-vous avec 3 ou 4 fois par jour. Vous pouvez également boire ce thé et si vous le souhaitez, l'adoucir avec du miel qui aidera à adoucir et à réduire l'inflammation de la gorge. Utilisez-le dans la teinture. Si vous pouvez vous procurer la teinture à la pharmacie ou dans un magasin d'aliments naturels, vous pouvez la diluer dans un verre d'eau et en ajouter 20 gouttes. Puis gargarisez-vous 2 ou 3 fois par jour. En peu de temps, vous verrez comment les propriétés curatives de la rose sauvage agissent et votre dysphonie disparaît. Essai. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de 1000 types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaires pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne.
Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.